Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden, et aujourd'hui, dernier point important sur le national-socialisme. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette partie, donc voilà, commentez, partagez, likez, et le Utip, chers amis, le Utip qui est important quand même, la grosse moula pour la ville auto-jurée de gauche, toi-même tu sais. Peut-être qu'on invitera Cohn-Bendit. Enfin bref, c'est dégueulasse. Donc là, ça va parler de l'espace vital. L'espace vital, donc on va en parler parce qu'à un moment donné, c'est quand même assez important. Hitler reprochait à la République de Weimar sa fascination par des litiges frontaliers de peu d'importance. Le programme du parti rédigé par Feder prévoyait la suppression des traités, le retour aux anciennes frontières, la constitution d'un grand Reich groupant les Allemands dans Mein Kampf et dans son second livre. Et ce second livre, Hitler avait ajouté la notion d'espace vital, empruntée à la géopolitique de Hans Schoeffer, selon laquelle des caractères identiques géographiques, historiques et économiques commandent l'extension territoriale d'un pays, de façon que se soit établi un équilibre entre l'importance numérique du peuple et la qualité de l'étendue du territoire qu'il occupe. Hitler n'a jamais envisagé de solution par une extension de la science et de la technique, et encore moins par le malthusianisme. Il se félicitait au contraire de la poussée démographique du Reich. Il reprenait l'idée mussolinienne des nations pauvres condamnées à conquérir sur les nations riches leurs moyens d'exister. Là par contre, ce genre de lutte des classes entre nations, par contre, il valide totalement. Enfin bref. Les objectifs de la politique hitlérienne étaient inscrits dans Mein Kampf. Hitler y prévoyait un accord à long terme avec l'Angleterre sans que le Reich renonçât complètement à sa vocation maritime et coloniale, l'exclusion de la France de sa position de grande puissance, puis la conquête de la glèbe à l'est sur l'URSS. Certes, ces variations tactiques, la politique de Hitler apparaît pleine de contradictions, notamment par la signature du pacte germano-soviétique et de la guerre avec l'Angleterre. C'est que Hitler était à la fois un idéologue fanatique et un aventurier opportuniste pour qui comptait d'abord l'occasion et le succès immédiat. Mais si, dans la pratique, il paraissait fluctuant, ses objectifs demeurèrent fixes. Il s'appelle l'URSS. En URSS et en Pologne, Hitler retrouvait la voie des chevaliers teutoniques, découvrait l'espace immense à coloniser et rencontrait le foyer du bolchevisme à abattre, plus les masses juives à exterminer. Il pensait que l'URSS était le fléau de l'humanité, à cause des juifs dont elle était le paradis. Dès juillet 1941, il a fixé en URSS le centre de l'expérience politico-raciale qui devait donner à l'Allemagne la suprématie en Europe. Dès la même date est prévue l'expulsion de la population russe par l'esquisse d'un plan oriental d'ensemble dont Hitler disait qu'il serait le plus grand de ses accomplissements historiques. Dans son testament de 1945, avant de se suicider, Hitler invitera encore la nation avant tout à s'opposer impitoyablement aux empoisonneurs de l'humanité, la juiverie internationale. Juifs, communistes, russes étaient synonymes. Plaisir pour Poutine, je pense. Une fois ce grand dessein accompli, si possible avec l'accord de l'Angleterre, mais il le fallait contre elle. Les territoires coloniaux seraient acquis en Afrique et la puissance navale suffisante serait obtenue pour, à la tête de l'Europe, affronter les États-Unis dans la lutte finale pour la domination du monde. Cette dernière étape, Hitler la laissait à ses successeurs. Ainsi, dès Mein Kampf, l'impérialisme hitlérien était enserré dans l'alternative.
tout ou rien. Succès ou catastrophe, où le peuple allemand accomplissait son destin en imposant au monde une immuable uniformité raciale qui affirmerait sa supériorité, ou bien il disparaîtrait. Finalement, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin bref. Il y avait une certaine cohérence dans cette folie, à l'ambition démesurée dont le premier résultat devait être le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, la mort des dizaines de millions d'hommes et pour le peuple allemand d'immenses destructions matérielles et morales. Le succès qu'il a remporté, l'hégémonie momentanée qu'il a exercée, les dévouements fanatiques qu'il a suscités, font que le nazisme trouve encore aujourd'hui des laudateurs. C'est tenir peu de compte de la puissance allemande et surévaluer les régimes dont les dirigeants politiques d'un pays. Les victoires militaires de l'Allemagne nazie, c'est l'armée allemande traditionnelle qui les a emportées. Les généraux SS n'ont connu que des défaites. La longue efficacité économique, ce sont les ingénieurs, les industriels allemands qui en sont les auteurs. Speer a dû faire appel à eux en 1944 contre les nazis. L'apport propre au nazisme, c'est le mépris de l'homme, la divination du chef, la terreur généralisée, la volonté illimitée de conquête, les camps de concentration, le génocide des juifs, etc. C'est en somme le crime érigé en institution. Pomme. Petite plume quand même, hein, assez appréciable. Donc voilà, c'était le dernier point sur le national-socialisme. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, etc. Je pense que c'est assez édifiant. Voilà, même si on pourrait se dire effectivement que ce n'est que, entre guillemets, le fascisme historique, le national-socialisme des années 30, qui aujourd'hui ça serait différent. Quand même. Quand on dit extrême gauche, on voit la commune, voilà, on voit la sécurité sociale. Bon, l'octobre 1917, c'est Lénine, c'est vrai que c'est, et l'URSS, c'est vrai que c'est compliqué parce que bon, ça a été. Il y a de vraies critiques à faire. D'ailleurs, les critiques vont être faites sur cette chaîne un peu plus tard. Mais bon, c'est. Faut venir, toute chose viendra en son temps. Mais ouais, c'est, même l'URSS, putain. Même à l'extrême gauche, hein, ouais, enfin bref. On en a, enfin, la critique des libérales de l'URSS, c'est vrai que bon, 12 milliards de morts, enfin bref, c'est pas le sujet de cet épisode. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous!